voulez l'authentique. Là, ça, c'est la bonne route 66 comme il faut. Maintenant, on est ici, on arrive à Davenport. Oh, Davenport, oh, Davenport, oh, Davenport, 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 Port, Port, Davenport, 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 Port, Port, Davenport, 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 Davenport. Tu disais quoi, tu sais, de ton âge? Mais on va arriver à Oklahoma. Oklahoma? Ouais. Oklahoma, 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 Oklahoma. Oui, je confirme, on a un âge mental de 14-15 ans. Je sais pas, moi, je vais l'avoir. Vraiment aussi. On termine notre voyage de la route 66, on arrive à Oklahoma, on fait des petites routes, c'est génial, et voilà, on arrive là direct, bah, périphérie d'Oklahoma, bouchon, alors que ça fait 3 jours qu'on n'en a pas eu. Oh là 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 là, ça vaut bien la peine. Incroyable. Hein, soi-disant, c'est le modernisme des autoroutes. Ben on est coincé. Sur la 68, ça roulait bien. 66. Qu'est-ce que j'ai dit? 68. Ben, c'est parce que je suis généreux. Je suis généreux, 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 je suis généreux, je suis généreux, je suis généreux. T'as appris pas mal d'anglais depuis que t'es ici, hein? Oh oui, j'ai vraiment fait un fameux progrès. Hein. De toute façon, il n'y a pas mieux, hein. Si tu veux apprendre une langue, il faut aller dans le pays et t'as vu, t'apprends beaucoup plus vite. Hein. Oh oui, oh oui. Oh, maintenant, tu sais ce que c'est que les deux O, on dit OU. On dit pas bouse, mais on dit bose, parce qu'il n'y a qu'un seul O. C'est ça. Ah, mais on dit cool parce qu'il y en a deux. Tout à fait. Bon, et comment on dit chien-chien? Quand t'as vu un chien tout à l'heure, on dit oh le beau chien-chien. Ah bah tu dis oh le beau dog-dog. Ou bien tu peux dire aussi oh le beautiful dog-dog. Oh le beautiful dog-dog. Et alors, tu caresses ce chien-chien, tu mets oh dog-dog. Oh dog-dog. Oh, dog-dog. Attention, il y a un pont. Attention. Ah, ah. C'est bon. Allez, on est arrivé à l'hôtel. On va manger un bout. On va manger quoi? Du japonais. On va manger. 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 On va manger du japonais. On va manger du japonais. On va manger. 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 Du japonais. Du japonais. On va manger du japonais. Ça c'est classique dans les restaurants américains, ils vous souhaitent un anniversaire, et le personnel vient et vous chante un joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire. Oui mais ici c'est japonais, c'est pas américain. Oui mais enfin ils sont quand même aux États-Unis quand même, parce que le japonais qui m'a parlé là, il n'a pas d'accent japonais. À mon avis il est né ici. Alors, qu'est-ce que tu penses? On est assis à table, le chef va cuisiner devant nous. Ouais, ça donne envie, hein. Ça c'est la première fois. Montre un peu la table. Encore une première fois.
J'en ai marre, moi, la première fois. Ouais, vivement qu'on rentre demain. Hein. Ouais, non, on rentre après-demain, après-demain. Ça pas l'andouille. C'est pas l'andouille. C'est pas l'andouille. Non, mais on va casser les pieds, nous avons dit. Bon, ça, ça sert à rien, mais c'est juste parce que c'est chouette. Ça n'attendrit pas la viande, mais c'est chouette. Alors? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh bien. Merci Fred des oignons. C'est de l'artisanat. Ah ben la cuisine japonaise, c'est de l'artisanat. Regarde les oignons. On va bien couper les oignons, t'as vu? On va pas faire la même part ou en train de C'est toujours bon, papa? Toujours bon. Voilà. Voilà. Dernier jour. Dernier jour. On descend à Dallas. On descend à Dallas. Bon. Comment t'as trouvé ce séjour? Ça plus tard. Oh là là. Oui, mais les abonnés vont peut-être savoir où ils seront plus tard. Ils ne seront plus tard. Là, voilà, t'as plus qu'à regarder le reste de la vidéo et tu verras plus tard. Ça, c'est du teasing. Tu c'est vois bien ça. Ben non. Comment faire si en tu mets sorte... le bon pouce et si on a suffisamment de pouces bleus, eh bien, à ce moment-là, je dirai ce que j'ai pensé de ce voyage. T'as vu, Antoine, comment je l'ai éduqué? Quatre locomotives. Il y en a un qui est bleu. Et on s'en va. On va te raconter 128.
128 wagons, 4 locomotives. Et 4 locomotives. Quand tu te retrouves devant le passage à niveau de notre appareil, il ne faut pas être pressé. Faut pas être pressé, parce que si tu as besoin du médecin, c'est foutu. Hein. Tu vas directement au cimetière. Ouais, il y a un pont, C'est bon. Il est midi 26, tu refuses pas une glace à midi 26? Midi 26, à 9h26, à 6h26, à 11h26, à minuit 26. Jamais je refuse. Et là, pour une fois qu'on a trouvé une chaîne de bonne glace, et là, je la trouve sur la route, on va y aller. Allez. On ne change pas ce qui marche. Hein. Ah, quand ça marche, ça marche. Voilà. Allez, allons-y. We stand together, non, on est déçus. Moi, en tout cas, moi, je retourne déprimé. Hein. Non, on est déçus. On vient pour une glace, la cerise, il n'y en a plus. Bon, on fait quoi? Écoute, c'est parti pour bien le faire, mais on va poursuivre notre chemin. Ouais, mais quand t'es parti sur un truc, dans ton cerveau, tu viens de conditionner ton cerveau, que tu veux une glace à la cerise, et puis qu'après on te dit, il n'y en a pas, plus, et que tu regardes d'autres, que ça ne botte pas trop. Ouais. Bon, allez. Le cœur lourd, on y va. Ouais. Allez, viens. Allez, je sais, tu traînes la patate, mais il faut y aller. Hein. Allez. Lui, s'il y arrive bien proche. Hein. Ça va mieux? Ça va beaucoup mieux. Sauf que maintenant, j'ai deux cuillères pour manger ma glace. Le problème, c'est que j'ai deux mains. Une pour le pot, une pour la cuillère. Et l'autre, elle est là. Ah, t'as deux cuillères parce qu'ils sont gentils. Avant d'acheter la glace, ils te la font goûter. Ouais. Sans problème et avec le sourire. Hein. C'est pas qu'on attire l'attention ici, mais presque. Ah ouais, mais en fait, tu vois, c'est sympa. Hein, ils sont tout le monde disent gentils. Ils disent bonjour. Bien sûr. Elle est bonne la glace? Ça va? Ça va, la batterie se recharge? Ah ouais, la batterie est au max maintenant. Et en plus, j'avais vu faire tomber un morceau de cerise dans le pot. Je dis, oh non, elle va faire tomber la cerise dans le pot. Du coup, il m'a donné trois cerises. Je t'ai donné la mienne parce que j'en peux plus et tu manges les deux. Eh ben. Cerise-citron, c'est une bonne combinaison, hein? Tout à fait. Ça a pas l'air d'être douloureux? Oh, ça, c'est pénible. Je vois. Mais j'en fais ça lentement. Très lentement. T'as l'air de te régaler? Non, tu sais pourquoi t'en fais ça lentement? Ouais. Parce que je suis bientôt au fond. Strong. Yeah. Like good hair. Yeah. Well. Ah, on vient de vivre un truc qui est inimaginable en France. C'est la gentillesse des gens ici. Il y a une famille, ils viennent nous souhaiter bienvenue au Texas. Ouais. Ils entendent qu'on parle français. Ils nous demandent d'où on vient. Et je te présente, je dis que t'es mon papa. Et il commence à dire, on dirait pas, tu parais tellement jeune, et il te prend dans ses bras. Un truc de fou, hein? Ouais. Un truc de fou. Ouais. Bienvenue au Texas, passez du bon temps, God bless you, bien sûr, mais bon, ça. Mais non, mais eux, c'est leur façon de dire, voilà. Mais essaye de faire ça à Paris, tiens. Mais tu te fais baffer à Paris si tu fais ça. Tu vois, on a beau critiquer encore une fois les Américains, mais moi ce que j'aime, et ça c'est vraiment quelque chose d'optimiste, c'est que les gens ici, il n'y a pas de complexe, on vient te dire bonjour, on vient te féliciter, on te prend dans les bras, mais bon sang, ça fait du bien quoi. Ça fait du bien. Ça fait combien de personnes que moi je vois suivre un parking quand je t'attends? Tous les jours. Les gens arrivent, ils me voient, je les regarde, ils me regardent. Le gars, il est allé dans la station de service, il est revenu avant toi avec un sachet. Il m'a resalué, il est parti avec sa voiture et au moment où il est reparti, il m'a encore dit bonjour. Ouais, ici, on dit bonjour, on dit au revoir, on te souhaite une bonne journée. Même sur les panneaux de travaux, attention aux travaux, on vous souhaite une bonne journée.
C'est la courtoisie américaine. Et moi, j'en ai marre qu'en France ou qu'en Europe, on critique les Américains. Oui, bien sûr, tout n'est pas bon aux États-Unis. Mais bon sang, qu'est-ce que c'est bon de voir des gens sympathiques qui viennent te dire bonjour, te dire au revoir, te demander de te proposer de l'aide. Ici, quand on voit que tu as besoin d'aide, ils viennent spontanément te proposer de l'aide. C'est un truc de fou. Et là, c'est pas la première fois que tu prends des gens de tes bras. Hein. Quand on était à Springfield, dans le restaurant, Steak and Shake. L'homme un peu qui lui paraissait un peu simplet. Ah oui. Il t'a pris dans ses bras aussi, vous avez rigolé. Ici, tu rigoles avec tout le monde. Fantastique, il vient ici, à côté. Et ça fait du bien. Tu les connais pas? Et ce que moi, j'ai bien aimé, qui me dit, mais vous paraissez pas avoir votre âge. Alors ça, bon, alors là, c'était... C'est le summum, là. C'était un ami. Same color as genuine color? I believe it's a factory color. Ouais, il pense que c'est une couleur d'usine. Mais elle n'a pas été peinte ici? Si, ça a été peint ici. Mais c'est pas lui qui l'a peint, c'est le peintre. Il y a un peintre pour ça. Ouais. Wow, thank you for sharing this. Regarde, même les ressorts, tout en chrome. Même les ressorts, ouais. Wow. Punaise. C'est magnifique, hein. 420 chevaux, le moteur vaut à peu près 5 000 $. Le moteur n'est pas d'origine, mais quasiment, c'est quand même le même modèle. Tout est neuf ou a été refait, quoi. Regarde-moi ça, c'est chrome. C'est un truc de malade. Waouh. C'est ce monsieur-là qui a tout refait. Punaise, c'est une belle voiture, hein. Assuré, hein. Bah ouais. Il y a des gens comme ça. Bah ça fait vivre ces véhicules. Punaise, les radiateurs derrière, il est magnifique. Ouais, hein. Même le radiateur, il est chromé. Ouais. Les soudures sont impeccables. Waouh. C'est magnifique, hein. Quel travail. This one is rare. Oh yeah. Wow. Yeah. It's not so rare. Wow, ça c'est rare ça. Hein? Wow.
Oof. Yeah. Wow, supercharge. Yeah, it's a little over 600 horsepower. 600 chevaux. Wow. And this one's 1100 horsepower. No. That's what I was going to fire up for you. Il y a 1100 chevaux là-dedans. Il a dit, tu veux entendre un feu d'artifice? No way. 1100 chevaux dans... I saw this one. Yes, wow. 1100 chevaux dans ce moteur. Il veut te faire entendre, tu veux l'écouter? Ouais, ouais. C'est une Mustang? Non, il va l'allumer pour nous. That sounds like music. Yeah. Wow, je dis ça résonne comme de la musique, hein. Wow. If that'll make you smile, that's what oh yeah. Il a dit ça, ça te fait sourire. Quand tu écoutes ça, ça te fait sourire. Wow. Are you doing self the chromes the? Yeah. You do that self here? This one hasn't been restored. This is an old restoration. Okay. Yeah, and we're just doing little stuff to repainting the boot, you know, in the back and what? And you do that here or you we do everything. Ah, ils font tout ici. Tout ici. Oui. Wow. Ils ont le bac. Oh, mais tout. Alors, papa, tu te régales? Ah bah oui, parce qu'on a pas fait chez Gaz Monkey, bah, on le fait ici. Et on a été bien accueillis par Joey, hein. Ouais. Ouais, tout à fait. Encore une fois, là, l'hospitalité américaine. Hein. Ouais. Tu montres que tu es passionné. Enfin, il t'ouvre toutes les portes. Enfin, on est deux gars sympas aussi. Oui, ça, il faut le dire. En toute humilité, ouais, on est super sympa. Ouais. Non, mais ça joue. Le fait d'être soi-même sympa, on n'est pas là. On n'est pas les touristes avec la tête de con, tu vois. Pourquoi ça se voit? Ah oui, il y a des touristes, c'est vraiment des gros prétentieux. Ouais. Donc, moi, j'ai le cou et les chevilles qui enflent, j'en peux plus là. Je rentre, je suis. On dirait le bonhomme Michelin. Merci. Ça fait plaisir. Attention, ça va être chaud là-dedans. Ouh. Et il fait 40 degrés, hein. Et encore, et la semaine dernière, il faisait plus chaud selon lui. Il faisait plus chaud. Allez, c'est parti. Ouais, je sais que je vais me brûler les fesses. Ah, ouh, c'est chaud. Ah, ouh là. Ah, ça brûle. Mais à fond. Mais à fond, la clim. À mon avis, il a chaud là. Hein. Il a chaud. Allez, il fait 38 degrés là. Hein.